L'Office togolais des recettes OTR reste dans sa dynamique, celle d'accompagner la population dans l'immatriculation foncière de sa propriété. La sensibilisation a continué ce 28 novembre 2024 sur le site de la 19e foire internationale de Lomé à l'endroit des visiteurs. Ces derniers ont été outillés sur les différentes étapes de la procédure d'obtention du titre foncier et les précautions à prendre à chaque niveau des étapes pour éviter surtout les arnaques. Vous achetez le terrain, vous devez avoir un reçu ou un acte qui permet de dire que c'est à vous la propriété. Vous devez avoir une pièce d'identité. Vous devez élaborer un plan parcellaire qui est fait généralement par les géomètres agréés. Vous venez au guichet pour vérifier d'abord si la parcelle qu'on vous a vendue ne se trouve pas dans une réserve, dans une rue, dans une zone inondable ou déjà dans un ancien titre foncier. Une fois que cette étape est parcourue, vous allez enregistrer votre dossier et vous payerez là-bas 1,5% de la valeur vénale du terrain. Peut-être vous pouvez payer le terrain à 1 million, mais aujourd'hui, il y a 5 ans, le terrain coûte 3 millions. On va vous calculer 1,5% des 3 millions, plus 5 000 francs de terme que vous payez là-bas. Après avoir payé l'enregistrement, vous déposez le dossier officiellement pour avoir un titre foncier. Et on va vous faire ce que nous appelons une liquidation. Pour 2 000 lots à un lot, c'est 86 000 francs. Une fois que vous avez fini le paiement, vous allez obtenir un numéro qu'on appelle le numéro de réquisition. Et là, vous n'allez plus rien payer jusqu'à la fin de la procédure. Et une fois que vous avez payé les 86 000, le dossier va être publié au journal officiel. Et après, on va au processus de bornage contradictoire où le cadastre revient sur le terrain pour confirmer les limites et confirmer le plan que le géomètre avait préalablement élaboré. Et quand le géomètre revient, nous saisissons les éléments rapportés du terrain qui est géoréférencé dans notre système informatique pour sécuriser la parcelle, pour que demain, quelqu'un d'autre ne puisse plus venir obtenir un titre sur cette même parcelle. Et une fois que la sécurisation est faite, c'est la procédure de conservation foncière qui est entamée, où on vérifie les pièces. Est-ce que le reçu est bien élaboré? Le nom du propriétaire, est-ce que c'est lui? La pièce d'identité, c'est bien écrit. Est-ce que les éléments qui doivent conforter le dossier sont réunis? Si oui, le titre est créé et signé par le conservateur. Occasion pour l'OTR de rassurer la population sur l'avancement des travaux dans ses services spécialisés. Rien ne bloque l'avancement des dossiers d'immatriculation si ce n'est le flux massif de dossiers reçus ces derniers temps. Et je voudrais rassurer tous les opérateurs économiques et toute la population que l'Office togolais des recettes a pris les dispositions actuelles pour avancer significativement dans les dossiers. Au-delà de cette journée dédiée, les renseignements sont disponibles au stand de l'Office togolais des recettes situé dans le pavillon Agou.